Donc, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va commencer à nettoyer les plafonds, puisqu'on a commencé à faire le devis là pour les vrillettes. Donc un professionnel il est venu. Il y en avait deux qui devaient venir, mais il y en a un qui nous a fait faux bond. Donc on s'est retrouvé qu'avec un seul professionnel. Donc ils sont OK pour traiter. On va recevoir le devis ce week-end. Là on est au mois d'août. On a fait une petite pause, une semaine de vacances. Donc. Là aujourd'hui, mon étape, ça va être sur tous les bois, puisque la vidéo précédente c'était sur enlever les plafonds. Donc en fait, ce qu'il a dit avant le traitement, enfin avant le traitement des vrillettes, ce qu'il faut, c'est ça va être de poncer, c'est-à-dire de mettre le bois comme on a envie, et ensuite ils vont mettre le produit en profondeur dans les poutres, et ils vont mettre aussi le produit en surface. Donc ce qu'il a dit, c'est que ça va être entre 5 et 7 mm. Donc si jamais en fait ils mettent du produit, en fait du coup quand on va poncer, en fait si vous voulez ça va enlever là où il y aura le produit, donc ça sert à rien. Donc ce qu'il nous a conseillé de faire c'était de tout poncer avant de traiter. Donc j'ai pas le choix. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que vous voyez il y a pas mal de clous. Donc là pour ceux qui savent pas, là je pense que c'est des traces de. Là vous voyez pas, mais là en fait les traits comme ça je pense que c'est du Capricorne. Et par contre les petits trous. Donc je vais vous montrer plus comme ça. Donc ça c'est elle est bien attaquée hein, ouais. Les petits trous là comme ça c'est les vrillettes. Donc l'objectif là déjà de la journée, ce que je vais faire. Donc vous voyez il y a des petites il y a ça encore à enlever là, les bandes de bois, ça sert à rien. Et en fait il va falloir enlever tous les clous. Donc je vais essayer de nettoyer au max pour pouvoir ensuite faire le ponçage. Donc ça va nous donner une nouvelle série de vidéos, ça va être le ponçage des poutres. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce que vous voyez, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur visuel possible avant le traitement, comme ça sera fait. Donc il y a pas mal de taf. Il va falloir tout nettoyer pour que je puisse poncer. On a acheté des disques hier, je passerai au grain 40. J'ai du grain 60 et du grain, enfin, en tout cas, je vous montrerai. Donc voilà, on va essayer de cleaner ça aujourd'hui. Il y a encore pas mal de poussière. Où est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez ici. Il y a encore pas mal de merde, donc je vais essayer d'enlever ça aujourd'hui, enfin, partout, tu vois. Donc ici, là, on est au premier étage. Et il y aura ensuite le rez-de-chaussée. Donc c'est parti, sacré boulot. Donc je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Donc en fait, j'utilise un marteau. Voilà, simple. Hein. Ouais, d'ailleurs, bon, je l'ai acheté chez Action, je vous ferai peut-être une vidéo sur les matériaux, mais il est pas mal, hein. Franchement, pas cher, pas mal. Et ensuite, bah, forcément, vous venez chercher. Et là, pareil. Ah, ouais, c'est un bon exemple parce qu'il a pété. Et on vient le retirer comme ça. Donc voilà, là, je l'ai enlevé. Mais là, par exemple, il a pété. Ça arrive que, en fait, ce soit des anciens. Donc, du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai une pince. Donc, c'est pas facile parce que j'ai qu'une main et je regarde l'appareil photo. Et voilà. Et donc, en fait, on vient l'enlever. Donc là, il a encore cassé. C'est pas facile non plus. Bon, on va dire pour la vidéo, effet hollywoodien, il a été enlevé. Et donc voilà, on retire. Et une fois qu'on a retiré. Oh bah attends, je vous montrerai sur ces planches. Donc là, je vais retirer ça. Bon, il faut les deux mains. Je vais garder cette poutre. Je vais vous montrer là-dessus, puisque j'ai déjà commencé à côté. Mais je vais vous montrer. Donc là, d'abord, je vais retirer les clous. Voilà. Et voilà, donc là ça y est. J'ai enlevé tous les clous. Plus la baguette qui collait là. Donc alors ensuite une fois qu'on est à ce step là, donc là je pense que là on voit bien. Il y a les trous, c'est vrillettes, il y a peut-être des traces de Capricorne. Bon, je suis pas un expert. Donc voilà, donc au début, voilà, j'arrive. J'ai avec mon gant. Je viens dégrossir, enlever les poussières. Voilà, faut pas avoir peur. Donc, hop, ouais, il y a pas mal de trucs qui tombent. Voilà. Là, par exemple, ce genre de choses, on vient un peu linéariser, enlever les gros trucs. Donc ça, c'est fait. Bien entendu, j'ai des lunettes. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Heureusement, il y a ce petit crochet, bam, hop, tout est pratique. Tac, donc je viens récupérer une brosse métallique. Classique, hein, je l'ai acheté 2,50 € de Briconaute. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis avec ma brosse. Alors attendez, j'appuie sur un bouton que j'aurais pas dû. Bref. Et puis avec la brosse.
Bon, viens, 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 frotter. Voilà. Faut pas avoir peur. Alors, là, vous ne voyez peut-être pas, mais... Vous voyez, je supprime quasiment le blanc, là. Et c'est là qu'en fait, c'est plutôt positif, parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, même si le bois, il paraît super attaqué, et ben, en fait, il est quand même bien résistant, parce que ça, regardez sur quoi je peux faire, c'est bien rigide, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc, je vais le faire sur la surface, puis après, je vais vous montrer. Parce que oui, effectivement, c'est plus pratique demain sans fumer. Voilà. Donc là, c'est passé, donc vous voyez, c'est déjà plus lisse, donc c'est passé à la brosse métallique. Et voilà, donc vous voyez, ça a quasiment enlevé les traces de plâtre. Bon, effectivement, c'est pas parfait, hein. Mais il va falloir encore poncer. Et donc du coup, je vous montre un peu par là. Voilà, pour l'instant j'ai fait, je vous montrerai le résultat final. Même la poutre là, vous voyez, on voit quand même bien la différence. Donc là, ouais, je continue, puis je vous montrerai le résultat final sur cette pièce. Voilà. Bon, bah voilà ce que ça donne après à peu près au moins 5. Attends, on doit être 15h. Donc 3h, ouais. Peut-être en 6h. 6h non-stop là. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas super. Hein. C'est pas avec, on fait pas du neuf avec de l'ancien. Mais bon, voilà. Je me suis bien arraché la gueule. Donc ça donne ça, c'est vrai que ça a l'air un petit peu, là je vois sur la caméra ça donne super bien, mais en réalité c'est pas aussi bien que ça, parce que voilà, ça a bien été attaqué. Je sais pas si ça arrive à voir, mais attends, je crois que si je peux zoomer. Ouais, c'est plutôt comme ça quoi, donc c'est vrai que de loin ça fait cool, mais en réalité il y a des poutres bien attaquées. Bon, c'est vrai que ça fait plus propre en plus avec la lumière. Donc voilà, ça c'est, donc du coup c'est pour la préparation du ponçage. Et après, ouais voilà, là on voit bien que c'est pas tip top non plus. Oui, je marche sur des déchets, je vais vous montrer ce que ça génère. Donc voilà, on a fait au max, hein. Là je me suis déchiré. Je vais d'ailleurs vous montrer à quoi elle ressemble, vous allez voir, ça rigole pas. Donc voilà, c'est toujours les poussières, les machins, encore des merdiers à fond. Je comptais faire ça et la pièce là-bas, là, la chambre d'amis, en une journée, mais là j'ai pas le courage, là, voilà, c'est pas facile. Hein. Donc voilà, il y a toujours ces parties, je sais pas comment je ferai, est-ce que je mettrai du plâtre. Et voilà, donc je... On va peut-être en mode selfie. Voilà comment ça se passe. Je sais pas si on me voit bien, mais bon, regardez un peu. Et ça a été pendant tous les jours de chantier. Donc voilà, donc je continuerai. Je vais vous montrer les autres pièces. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire en tout cas. Donc ouais, ici, là j'avais fait la dernière fois. Donc j'ai nettoyé le sol, voilà, ça c'est les gravats, gestion des gravats. Et aujourd'hui, on passe à cette pièce-là. Donc là, ça va être le même objectif, je vais gratter, je vais préparer le ponçage. Bon, même si ça, c'est un peu plus correct, mais quand même, il va falloir, je vais passer un coup de décapage avec la brosse métallique. On va le faire aujourd'hui. Donc on y va pièce par pièce, puis après je vous montrerai le résultat, ça va aller plus vite. Je vais pas refaire une démonstration de comment je fais. Enlever les clous, frotter à la brosse métallique, un peu avec la main, et voilà. Donc je vous montrerai plus tard. Ta-ta-ta, petite vision du jardin. Toujours aussi beau. Allez, je vous montre la fin. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Ça change pas tellement, mais bon, si quand même, ça paraît plus propre, plus un travail de finition. C'est la poutre là ici qui a commencé à bien réapparaître. Donc voilà, puis j'ai nettoyé
Donc c'est à peu près propre. Ok, bon bah voilà, je vais vous montrer demain, j'attaquerai le rez-de-chaussée.